La prédication d'aujourd'hui portera sur le psaume 9. Ce, ce psaume fait partie du grand recueil du livre des psaumes, un recueil de louanges qui nous apprend à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu. En particulier, le psaume 9 se trouve dans la première section de ce livre, une section qui parle des épreuves, des souffrances. Le psaume 9 est étroitement lié au psaume 10 que nous entendrons dans deux semaines. Ce sont des psaumes dits alphabétiques, ce qui veut dire qu'en fait, il y a des strophes. La première strophe du psaume 9, par exemple, va commencer avec la lettre A, puis une deuxième strophe avec la lettre B, et ainsi de suite, et ça s'enchaîne sur le psaume 10. Le psaume 9 également euh, est très proche et relié du psaume 10. Par le, thème. le psaume 9 mentionne les nations ennemies extérieures au peuple de l'Alliance, alors que le psaume 10 fera référence aux méchants à l'intérieur du peuple de l'Alliance. Après cette brève introduction, je vous propose d'écouter ensemble le psaume 9. Au chef de cœur, meurs pour le Fils, psaume de David. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur. Je me réjouirai en toi. Euh, je redirai toutes tes merveilles. Je me réjouirai en toi. J'exulterai. Je psalmodierai en l'honneur de ton nom, Dieu très haut. Lorsque mes ennemis reculent, ils trébuchent et périssent devant ta face. Car tu défends mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu menaces les nations. Tu fais périr le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, le souvenir est perdu. L'Éternel siège pour toujours. Il a établi son trône pour le jugement. C'est lui qui gouverne le monde avec justice, qui juge les peuples avec droiture. Que l'Éternel soit une forteresse pour l'opprimé, une forteresse pour les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel qui réside en Sion, proclamez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang versé, il s'en souvient, il n'oublie pas le cri des malheureux. Fais-moi grâce, ô Éternel, vois mon malheur causé par ceux qui me haïssent toi qui me fais remonter les portes de la mort afin que je redisse toutes tes louanges dans les portes de la ville de, de la fille de Sion et que je sois dans l'allégresse à cause de ton salut. Les nations s'enfoncent dans la fosse qu'elles ont faite, leurs pieds se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se fait connaître, il fait droit. Le méchant est pris au piège dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instrument, les méchants se tourneront vers le séjour des morts Toutes les nations qui oublient Dieu Car le pauvre n'est pas oublié à jamais L'espérance des malheureux ne périt pas à toujours Lève-toi, éternel, que l'homme ne triomphe pas Que les nations soient jugées devant ta face Répands sur la crainte, ô éternel Que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes pause Je vous invite tout de suite à remettre notre enseignement dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous adresser ta parole ce matin. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles à cette parole. Nous te prions de renouveler notre espérance et de fortifier notre foi. Car ta parole est vérité et la vérité transforme nos vies. Seigneur, écoute notre prière. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Le saviez-vous Père et sœurs, le 16 mai 1553, à Lyon, cinq étudiants réformés étaient brûlés vifs. Ils avaient étudié la théologie en Suisse et s'apprêtaient à devenir pasteurs en France. Malheureusement, ces cinq étudiants ont été trahis et livrés aux autorités catholiques romaines. Dans la charrette, qui les conduit vers le lieu de l'exécution, les condamnés chantent ensemble les paroles du psaume 9. Ce psaume millénaire les réconforte, il les réjouit. Pourquoi Parce que dans cette prière, le roi David rappelle que l'Éternel est notre forteresse. Il juge férocement les nations oppressives et il sauve gracieusement son peuple opprimé. Cette puissante vérité apparaît dans les deux grandes parties du psaume 9. Dans un premier temps, David loue l'Éternel pour l'avoir défendu face à ses ennemis passés. Ensuite, dans un deuxième temps, il implore l'Éternel de le défendre face à ses ennemis actuels et futurs. Dans un, dans un premier temps, au verset 2 à 13, David loue l'Éternel pour l'avoir défendu face à ses ennemis passés. Le psaume 9 date très probablement de la deuxième moitié du règne de David, après le transport de l'arche de l'alliance à Jérusalem. Plus précisément, David et le peuple d'Israël semblent sortir d'une grande victoire contre des nations ennemies, peut-être les Philistins ou les Ammonites. Cette grande victoire remplit le cœur de joie, le cœur du roi, qui remercie aussitôt Dieu. David loue l'éternel de tout son cœur. Je célébrerai l'éternel de tout mon cœur, je redirai toutes tes merveilles, je me réjouirai en toi, j'exulterai, je psalmodierai en l'honneur de ton nom, Dieu très haut. Versets 2 et 3. Dans ce psaume, le roi David parle au nom de son peuple. Dès la victoire de son armée acquise, la première action du roi consiste à remercier Dieu. David utilise cinq verbes pour témoigner au Dieu de l'Alliance toute l'étendue de sa reconnaissance. Oui, David loue l'Éternel de tout son cœur. Il ne le célèbre pas avec un cœur partagé ou à demi-mot en réfléchissant à autre chose. Le cœur de David est tout entier consacré à louer l'Éternel. La reconnaissance et la joie remplissent toutes ses paroles et toutes ses pensées. Dans toute son exultation, David veut aussi redire toutes les merveilles de l'Éternel. Ces merveilles, ces victoires, il souhaite les compter une par une. Il, dés il désire les écrire chacune. Il veut n'en oublier aucune. David entend se souvenir de tous les bienfaits du Dieu de l'Alliance. Mais David ne peut pas conserver toutes ces merveilles pour lui parce que son cœur déborde de reconnaissance. Il ressent le besoin irrésistible de raconter la bienveillance de Dieu au monde. Le roi la rapporte au peuple de l'Alliance. Il en avertit les nations ennemies. Personne, non, personne ne doit ignorer le nom du Dieu Très-Haut. Personne ne doit ignorer que l'Éternel est au-dessus de tous les autres dieux et que lui seul délivre la victoire. Dans sa louange, David veut redire au monde toutes les merveilles de l'Éternel. David loue l'Éternel de tout son cœur. Mais pourquoi est-ce que David loue l'Éternel de tout son cœur David loue l'Éternel de tout son cœur parce que l'Éternel l'a défendu. Lorsque mes ennemis reculent, ils trébuchent et périssent devant ta face, car tu défends mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu menaces les nations, tu fais périr le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, le souvenir est perdu. Le roi David connaît la vérité. Lorsque ses ennemis reculaient, ce n'est pas devant son armée qu'il trébuchait, mais devant l'Éternel. Derrière l'apparente victoire du roi David, il y a en réalité la victoire de Dieu. C'est pourquoi aux cinq verbes qui évoquaient sa louange, David ajoute cinq verbes qui exposent l'œuvre de l'Éternel en sa faveur. David savait que sa cause était juste parce que ses agresseurs cherchaient à détruire le peuple de l'alliance. Ils étaient méchants jusque dans leurs intentions. Or, l'Éternel est un juge juste et souverain. Il est donc intervenu pour défendre son peuple et son roi contre leurs agresseurs. L'ennemi a vaincu les nations ennemies, il les a fait périr, il les a détruites. L'Éternel a effacé leur nom pour toujours et à perpétuité. Durant l'Antiquité, il arrivait parfois qu'on efface le nom de certaines personnes des tablettes et des parchemins. C'était une manière de ne laisser aucune trace d'elle aux générations futures. Effacer le nom d'une personne, c'était donc la juger et la condamner à l'oubli. En effaçant le nom des ennemis de son peuple, l'Éternel les a jugés et il les a fait disparaître. Il a fait disparaître leur souvenirs de la terre des vivants. Les ennemis du peuple de l'alliance sont réduits à néant, ils sont détruits. Le jugement de l'Éternel est sévère et sa victoire est éclatante. Le roi David le reconnaît bien. De cette éclatante victoire de l'Éternel, il ressort une grande assurance. L'Éternel siège pour toujours. Il a établi son trône pour le jugement. C'est lui qui gouverne le monde avec justice, qui juge les peuples avec droiture. Versets 8 et 9. L'Éternel condamne les nations oppressives et il défend son peuple oppressé. David peut louer l'Éternel qu'il a défendu contre ses ennemis passés. À partir de cette merveilleuse expérience passée et de la grande assurance qui en ressort, le roi David tire deux applications principales pour le peuple de l'Alliance. Aujourd'hui, nous sommes membres de ce peuple de l'Alliance et ces deux applications nous sont donc aussi adressées. Tout d'abord, nous sommes encouragés à trouver notre défense en l'Éternel. Que l'Éternel soit une forteresse pour l'opprimé, une forteresse pour les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ce qui te cherche, éternel. Le psaume 2 enseignait déjà que le Seigneur Jésus-Christ était le refuge de tous ceux qui se confient en lui, de tous ceux qui reconnaissent son nom. Malheureusement, nous sommes trop rebelles et pécheurs pour désirer connaître Dieu et son Christ Jésus. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous réfugier en eux, par notre propre intelligence ou par nos propres sentiments. En revanche, l'Éternel se fait connaître. Regardez au verset 17. Il nous révèle librement son identité par sa parole et son esprit. La parole de Dieu et son Saint-Esprit nous aident à nous confier en l'Éternel et en son Christ Jésus et nous donnent l'assurance que Jésus-Christ ne nous abandonnera pas. C'est seulement avec le soutien de sa parole et de son Saint-Esprit que nous pouvons trouver en l'Éternel notre défense, notre refuge, notre forteresse. Lorsque nous sommes persécutés ou poursuivis en justice à cause de notre foi, David nous encourage à trouver notre défense en l'Éternel. Ensuite, nous sommes encouragés à louer l'Éternel. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel qui réside en Sion. Proclamez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang versé, il s'en souvient, il n'oublie pas le cri du malheureux. Versets 12 et 13. À l'époque où le roi David a écrit ce psaume, il est probable que l'arche de l'alliance reposait déjà sur la montagne de Sion, c'est-à-dire dans la ville de Jérusalem. La présence de l'arche de l'alliance à Jérusalem indiquait que l'Éternel avait sa résidence terrestre au milieu de son peuple. Il entendait le cri des malheureux et promettait de punir les méchants. Aujourd'hui, l'Éternel ne réside plus à Jérusalem. Mais parmi son Église. Notre forteresse n'habite pas loin de nous, mais elle, est, mais elle est établie au milieu de nous. Notre défenseur écoute nos lamentations et il garantit notre protection. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir et louer l'Éternel de tout notre cœur. Nous pouvons aussi proclamer parmi les peuples ses hauts faits, c'est-à-dire avertir les nations ennemies. Personne ne, personne ne doit ignorer que celui qui gouverne le monde avec justice, début du verset 9, est avec nous. Personne ne doit ignorer que celui qui juge les peuples avec droiture, fin du verset 9, nous défend. L'Éternel ne laissera pas impunis les nations ennemies. Oui, nous pouvons éclater en louange. David nous encourage à louer l'Éternel parce que l'Éternel est son Christ nous défendent contre nos ennemis. Dans un deuxième temps, au verset 14 à 21, David implore l'Éternel de le défendre face à ses ennemis actuels et futurs. Il le supplie d'abord de le sauver. Fais-moi grâce, ô Éternel, vois mon malheur causé par ceux qui me haïssent. Toi qui me fais remonter des portes de la mort, afin que je redisse toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je sois dans l'allégresse à cause de ton salut. Versets 14 et 15. <coughs> L'Éternel a délivré le peuple de l'alliance de ses ennemis, mais voilà que d'autres agresseurs le menacent déjà. La mort n'est plus très loin. Le roi David supplie l'Éternel de le sauver. Il implore maintenant sa grâce. Il implore sa grâce. David ne se prétend pas meilleur que ses ennemis. Il ne se prétend pas plus juste. David se reconnaît tout aussi pécheur qu'eux devant Dieu. Mais il implore la grâce du Dieu de l'alliance. Il implore la bienveillance de celui qui a promis son pardon à celui qui se repent et qui lui demande pardon. David reconnaît sa faute et demande pardon à l'Éternel. Il implore sa grâce. Il le supplie de le délivrer de la mort et de, la, et de le ramener vers la vie. Pour quelle raison Afin de louer l'Éternel au milieu du peuple de l'alliance, au milieu de la fille de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem, de la capitale du peuple de l'alliance. David... Désire de tout son cœur continuer de célébrer son Dieu, le libérateur, celui qui le sauve. Il souhaite continuer de psalmodier en l'honneur de son don au milieu de son peuple et c'est pourquoi il implore la grâce de Dieu. David implore Dieu de le sauver. Pour sa défense, David implore ensuite l'Éternel de juger les nations ennemies. Et dans ce jugement, il reconnaît que les, ses ennemis s'enfoncent eux-mêmes dans leur destruction. Les nations s'enfoncent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se fait connaître, il fait droit. Le méchant est pris au piège dans l'œuvre de ses mains. David reconnaît que les nations ennemies, en attaquant, en attaquant Israël, le peuple de l'alliance, font ce qui est mal devant Dieu. Et ce mal conduit à leur destruction. Par leurs mauvaises actions, par leur méchanceté, les nations s'enfoncent dans la fosse qu'elles ont faite. Les nations creusent leur propre tombe. Elles se destinent elles-mêmes au jugement. Et David interpelle ainsi les nations. Cette pause, ce jeu d'instruments, arrive à point nommé. Les méchants ont maintenant le temps de réfléchir, de réfléchir à leurs actes mauvais, peut-être même de se repentir. En effet, si les méchants creusent leur propre tombe, s'ils se condamnent eux-mêmes à la condamnation, c'est aussi l'éternel. Qui les condamnera. Les méchants se tourneront vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu, car le pauvre n'est pas oublié à jamais, l'espérance des malheureux ne périt pas à toujours. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. eux la crainte, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Oui, les méchants creusent leur propre tombe, ils se tournent vers le séjour des morts. Mais l'Éternel se lève afin que les nations ne triomphent pas. David annonce que l'Éternel va les juger devant sa face. Et c'est pourquoi les nations doivent craindre l'Éternel. C'est pourquoi les nations, les peuples doivent être pris de, de, de stupeur. <coughs> Pour quelle raison? Pour quelle raison les méchants, les nations méchantes sont elles destinées au jugement de Dieu? Parce qu'elles oppriment le peuple de l'Alliance, certes mais aussi et surtout parce qu'elles ont oublié Dieu, parce qu'elles ne le connaissent pas. L'Éternel sauve ceux qui le connaissent, l'Éternel sauve son peuple, l'Éternel punit ceux qui l'ont oublié, l'Éternel punit ceux qui ne font pas partie de son peuple. Que les nations apprennent ceci. Que les nations en soient averties et qu'elles reconnaissent pour elles et devant Dieu qu'elles ne sont que des hommes. Le mot hébreu utilisé ici désigne l'homme dans toute sa faiblesse. Oui, que les nations ennemis au peuple de l'alliance reconnaissent qu'ils ne sont que des hommes faibles devant le Dieu Très-Haut, le juste juge, le souverain des cieux et de la terre. David implore l'Éternel de le défendre face à ses ennemis actuels et futurs. Plusieurs siècles plus tard, le descendant royal de David, Jésus-Christ, a lui aussi été victime de la méchanceté des nations. Il a souffert, il a été blessé, il a été insulté, il a été mis à mort par les Romains. Cependant, Dieu a remonté Jésus-Christ des portes de la mort. Et Jésus-Christ, le Fils de David, le Fils de Dieu, a été élevé au-dessus de tout nom pour régner sur la création. L'apôtre Paul nous le rappelle très bien. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'Éternel a élevé son Roi, son Messie, Jésus-Christ. Il l'a ressuscité et lui a donné la souveraineté sur toute la création. Il lui a également donné les clés de la mort et du séjour des morts. Voici en effet ce que dit Jésus. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. Jésus-Christ est le refuge de son peuple. Jésus-Christ est la forteresse de son peuple. Même dans la mort, il défend son peuple. Nous savons ainsi que Jésus-Christ reviendra un jour pour ressusciter son peuple pour la vie éternelle et qu'il condamnera ses ennemis. En 1553, cinq étudiants réformés chantent le psaume 9. Ils sont certains que l'éternel, que Jésus-Christ, les ressuscitera un jour. La mort ne leur fait pas peur car la vie éternelle les attend. Ils savent que Jésus-Christ les, les défendra même dans la mort. De la même manière, nous pouvons être certains de notre résurrection à venir lorsque nous passons par des temps de persécution ou lorsque nous sommes poursuivis en justice à cause de notre foi. Nous pouvons nous souvenir que Jésus-Christ nous défend. Nous pouvons implorer sa grâce son pardon et supplier son jugement sur ceux qui nous oppressent. Et s'il nous faut mourir, alors c'est avec une grande espérance et une ferme assurance que nous nous réjouirons. Nous saurons en effet que Jésus-Christ nous défend même dans la mort. Un jour, il nous ressuscitera pour la vie éternelle avec lui. Et alors, nous louerons le Seigneur notre Dieu au milieu de son peuple, parmi toute son Église, pour l'éternité. Oui, c'est avec cette ferme assurance qu'en tout temps, nous pouvons implorer l'Éternel de nous sauver de nos ennemis actuels et futurs. Frères et sœurs, le 16 mai 1553, à Lyon, cinq étudiants réformés étaient brûlés vifs. Dans la charrette qui les conduit vers le lieu de l'exécution, les condamnés chantent ensemble les paroles du Psaume 9. Ce psaume millénaire les réconforte, il les réjouit. Pourquoi parce que dans cette prière, le roi David rappelle que l'Éternel est notre forteresse. Il juge férocement les nations oppressives et il sauve gracieusement son peuple. Voilà notre réconfort. Alors confions-nous en lui et louons-le de tout notre cœur. Jésus-Christ est notre libérateur. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, ta parole qui nous soutient dans les temps de détresse et dans la persécution de ton Église. Nous te louons pour Jésus-Christ, notre refuge, notre forteresse. Il est notre puissant défenseur. Auprès de lui, rien ne pourra nous, rien ne pourra nous atteindre. Merci Seigneur notre Dieu, parce qu'il est toujours avec nous, et que même dans la mort, nous ne pouvons craindre de rien, car il est avec nous, et nous assure la résurrection. Seigneur notre Dieu, nous te demandons encore de nous défendre dans notre quotidien, dans le quotidien de ton Église. Face aux nations ennemies, face à tout ce qui nous oppresse, nous te demandons de nous faire grâce, de pardonner notre péché et de les juger selon ta justice. Nous te prions en Jésus-Christ, notre puissant réconfort, notre forteresse. Amen.